Un bon bonjour à toutes et tous, voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder, et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 30, Omael. Il est celui qui gère les énergies vénusiennes de Yézédiel, Jupiter, pour accorder la fécondité, la plénitude, la vie d'en haut à notre monde. Ange gardien, porteur de haute félicité, de richesses matérielles et de vertus morales et spirituelles. Ange aussi guérisseur, capable de rétablir le bon fonctionnement de tout être vivant. Ses protégés seront toujours en bonne santé, heureux, comblés. Les femmes, avec cet ange pour gardien, seront fécondes, donneront la vie, non seulement dans le domaine humain, mais également dans le domaine végétal et animal. Fécondité des terres stériles, avec l'arrivée des pluies nécessaires, fécondité des animaux qu'elles soigneront. Les personnes qui auront Omael pour ange gardien participeront aussi à la fécondité que cet ange dispense, mais avec une intensité moindre, par exemple en tant que médecin accoucheur. Prière à l'ange Omael. Ange Omael, je souhaite que par moi viennent au monde des êtres généreux et élevés. Je voudrais avoir été choisi par toi pour donner la vie à des êtres supérieurs qui témoigneront de ton règne ici, sur cette terre. Mais si la nécessité exige que de moi naissent des êtres difformes, de corps ou d'âme, ouvre, ange Omael, mon corps à l'amour, pour qu'il trouve en moi la chaleureuse affection et la force nécessaire à leur voyage humain. Accorde-moi, ange, le don de vivifier la faculté de renaissance, même en faveur de ceux qui risquent d'être touchés par la mort. Merci. Avec toute ma gratitude, que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.